Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands, chers amis. Donc, nous sommes toujours dans cette nouvelle région. J'aimerais que nous ayons la possibilité, les capacités, tout ça, de récupérer tout ce qui peut nous intéresser dans cette région avant de continuer. Nous avions fait un plus ou moins le tour PM, voilà, je voudrais récupérer au niveau des armes tout ce qui peut ressembler à un fusil d'assaut, voilà. Version moderne et agressive de l'AK-47, d'accord, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Fusil d'assaut, vous voyez, chargeur grande capacité par contre, c'est ça? Ça pourrait être intéressant. Pistolet mitrailleur, ça m'intéresse pas du coup. Pistolet mitrailleur, toujours pas. Fusil d'assaut, ça peut être un peu plus intéressant déjà. Et grosso modo, l'objectif serait en fait d'obtenir tout ce qui peut ressembler à l'amélioration d'un sniper. Hein. Tout bêtement. Poignée V4 par exemple, ça peut être intéressant. Ok. On va commencer par la poignée V4. On va se rendre au point Montepunku Alpha. Et on y va. On va essayer de niquer des gens aussi un petit peu. Hein, de longue distance, j'adore moi. Je suis méga fan. Crac, crac, crac. Ouah, tellement d'indices. J'ai récupéré des choses aussi au passage, chers amis. D'ailleurs, je sais pas du tout comment je fais pour regarder comment ils sont. Au passage. Voilà, ça va peut-être être ici au niveau d'équipement. Voilà. Voilà. Et normalement. Yonos c'est plus. Comment je suis? On a des nouvelles armes. On a plein de nouvelles armes, ok, pourquoi pas. Ou alors des nouveaux équipements pour les armes, peut-être. Peut-être. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi tu me dis une pièce? Grosse d'usine, donc non. Ça non plus. Crac. Crac. Rien. Je m'assure, il n'y a rien par là. Ok. Bon, c'est pas grave. J'avais normalement des... Alors, je sais plus comment on fait pour changer les couleurs des choses. C'est pas au niveau du machin de munitions qui est censé être là, voilà. Équipement. Bah non. Étrange, pas un bizarre. Et je dis bizarre comme c'est bizarre. Bon, comment on change le, normalement le drone? Je peux changer la couleur. Non, peut-être moi. Hein. Je me trompe peut-être de jeu aussi. Hein. C'est bizarre. Oh si, j'ai ça aussi à vous montrer, chers amis. Là, je pense qu'on va l'équiper tout de suite. Hop, crac, costume. Post-apo est pas mal non plus. Hein. Ok. En fait, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas la cagoule, quoi. S'il n'y avait pas la cagoule, ce serait tellement mieux. Bon, on va commencer par post-apo. Si vous voulez voir l'autre, dites-le moi dans les coms, chers amis. Je serais ravi de vous les donner. Ah, je peux pas mettre un chapeau avec. Oh, c'est nul. Ok, pourquoi pas. Bon, bah, c'est pas grave. On y va comme ça. Ça va chier des bulles cadrées octogonales et puis c'est tout. C'est par où? Jack, c'est par où? C'est par là. C'est-à-dire qu'il faut que je grimpe la montagne. Et il grimpe la montagne à moto. C'est bon, on est passé. La suite. Voilà, ça fait bizarre de revenir sur ce jeu. Ouah, mur. Hop, voilà. Site de parachutage. Faudra qu'on aille voir ça aussi, tiens. Hop, on y est. On approche. On s'écarte. Ok. Ah. Avant-poste. Ok. Apparemment, j'y suis... Ah, salut les mecs. Vous appelez ça un avant-poste, vous? Ah. Ah non. Ok. J'ai pas l'air d'avoir tant d'ennemis que ça en fait finalement. Voilà, j'ai quelques lags quand je suis loin. Aïe. J'envoie un troisième. Ok. Ils ont posé des alarmes. Si je peux les libérer, ça peut être rigolo. Attention, c'est ok.
Apparemment, j'ai oublié quelqu'un là-dedans. Non? Bah oui, là j'ai oublié quelqu'un là, effectivement. Je confirme, j'avais oublié quelqu'un. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Un lieutenant. Une génératrice. Ok. Ok, bon. J'ai mon silencieux. Ça s'entend pas. Ok. Parfait. Alors j'aimerais aussi pouvoir libérer, délivrer nos copains des cages en acier. Cool. On progresse en douceur. En douceur. En douceur, hein, tout se passe bien. J'ai un sicario par là. Là, près des ruines. Ouais, c'est cool, c'est celui-là que je voulais avoir. Ok, il s'en va. Et c'est tant mieux. Il a une jumelle, mais c'est pas un snipe. Il est derrière ou il est dans le conteneur? J'ai une caisse d'armement visuel. Voilà. Couche-toi, ils vont te voir. Comment tu sais quoi? Nous avons pillé le groupe, c'est calme. Je vois des rebelles qui se foutent sur la gueule avec le cartel, on fait quoi? Je crois qu'on les a énervés. Leur lieutenant. Qui c'est qui me repère? Dommage. Vache, y'a quelqu'un là. Ok. En douceur. Où ils sont? Putain, je les vois pas. Ah putain, lui je l'ai vu. Ok, je l'ai eu aussi d'ailleurs. Wouh. Ok. Ah, ça, ça m'emmerde un peu plus par contre. Je dois bien le reconnaître que là, pour le coup... ou alors, je tente un truc que j'ai pas encore tenté. Raté. Recharge. Wouhou. C'est vrai que ça, je l'avais pas tenté encore. Eh ben, je suis content de l'avoir fait. Wouhou. Il y a encore des gens. Vous voulez vous la mettre? Parce que moi, je vais juste récupérer le... Oh, il y a un char. Je vais récupérer le chat aussi. Ok. Question. Bah, apparemment, il me dit oui. Apparemment, il me dit oui. Bah non. Bah non. Tu ne me dis pas oui. Salaud. C'est une peinture, c'est ça? Je dois avoir une nouvelle peinture quelque part. Même pas?
Oh bah non, bah alors pourquoi tu me... Hein? Pourquoi tu me... Hein? Bizarre. Crac. On progresse. Putain, d'accord, ok, c'est lui qui me repère depuis tout à l'heure. Ah, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ok. Ah non, c'est un hélicoptère. J'ai l'impression de voir un char d'assaut. Je me dis, what? Un gros cadeau comme ça, c'est vrai? Ok, bon, on est bon. Du coup, soit je garde le char d'assaut et je vais ailleurs, soit je le garde pas. Ah! Voilà. Fusil d'assaut. J'avais rien. J'avais un truc qui fonctionnait normalement aussi avec les snipes. J'ai l'impression de me tromper, mais je me suis. Enfin, oui, alors il y avait ça à les prendre aussi, c'était sympa. Il était pas loin. L'AK-12. On va y aller, on va aller à Bravo. S'il veut bien. Voilà. Je peux pas y aller parce que je suis en combat, soi-disant. Ok! Du cartel ici. Quelque part, j'en connais un qui va franchement tirer la gueule. Vais chercher la médaille. Bon, ça va, il nous voit pas. Et merde, y'en a d'autres qui se ramènent. Putain, ils se ramènent par ici. Des ordres. Vous ne me verrez pas. Ok, je fouille. Je fouille, je fouille, je fouille. Ah, il veut pas. Et quand il veut pas, il veut pas. Apparemment, je vais être au bout de la map. Non, bah non, même pas. Il veut juste pas. Ok, tant pis. Hop, ça me chatouille l'œil, cela dit. Wouah. Bon, c'est bon. Allez, grimpe. Grimpe, 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 je veux plus entendre cette alarme. Ouh, c'est vraiment de la. De la brousse. Ok. De la brousse Willis, je dirais même. Bref, blague moisie, pardon! Ok, c'est bon, on n'est plus cherché. Ok. C'est où que je voulais aller? Là. On se téléporte ici. Téléportation! Zip. Hop, on est parti. Ok. J'ai les yeux foncés. Blah! Je crois que mon écran est trop lumineux. Et du coup, ça me nique les yeux. Mais enfin, bon, mon écran, je peux pas gérer la luminosité dessus tellement il est vieux. Il doit avoir 12 ans, je crois qu'on avait vu. Je sais plus, fort que je le demande à Heisenberg. On avait regardé. C'est une catastrophe. Non, c'est pas ça que je voulais. Moi, c'est ça que je voulais. Par contre, du coup. Qu'est-ce que c'est? Ouh! On y go! Salut! Non, pas de radio. Pas de klaxon, donc pas de radio. Ils sont quand même viendus! C'est pas grave. On y va. Crac. Apparemment, il y a des gens sur place. Apparemment, la voiture continue à descendre. Un avion de ravitaillement du cartel, le plein effet, il peut décoller. Un cadeau comme ça, ça se refuse pas. Les rebelles seraient sûrement très heureux de récupérer ce qu'il y a là-dedans. Ah, il nous en manque un. Avec lui, ok. Je suis prêt, quand tu veux.
Allez! Mais tuez-le, bon Dieu! Ok. Ça a chié de tous les côtés. Non, tout va bien. Oula! Ça, c'était un peu plus dangereux que prévu. Tout va bien, on a tout ce qu'il faut. Oui, je vais prendre l'aéroport. L'aéroportage militaire, pardon. Non, alimentaire. Oh, j'y arrive plus! Hop, l'armement, il est pour moi. AK-12. Alors, j'ai bien envie d'aller voir ce que vaut cet AK-12. Voilà. Pièce, crosse allongée, crosse rétractable, pourquoi pas. Lunettes. On va mettre la vue panoramique, j'aime bien, moi, de Fouquet. Chargeur, j'en ai pas. Accessoire monté. On va prendre ça. Protège-rail, j'ai rien. Canon, j'ai le canon long. Il y a de la gueule comme ça, hein. Je veux pas dire, mais... Et en comparaison... Il fait plus de dégâts, il est moins précis, moins maniable et fait beaucoup plus de bruit. D'ailleurs, il faut peut-être que je regarde en termes de bouche s'il n'y a pas un silencieux. Voilà. Et donc, si je prépare l'AK-12 et que je le compare à mon G36. Mon G36 est plus précis. Il fait plus de bruit. Moins de bruit. Pardon. On va voir comme ça. C'est parce qu'il est stylé que je l'ai pris. C'est surtout parce qu'il est presque aussi long que mon fusil de sniper, quoi. Ok, pourquoi pas. Bon, on y va. Conduire. Normalement, c'est piloter, hein, mais je le dis depuis le début, mais c'est pas grave. C'est moi qui pilote. Ok, 3 km 1 dans cette direction. Non, même pas. 3 km 1 dans quelle direction? Là? Oh. C'est bon pour moi, go. Salut. Ok, bon bah ça vole. La plantation de coca Kilasika? Kilasia? J'ai pas vu. Pleine vitesse! Oh la explosion! Il paraît que c'est un avion qui a voulu faire. Putain, grosse explosion d'ailleurs, ouais. Je regarde ce que c'est, mais. Un avion. Je crois, hein. PN de Agua Verde. Entre loisirs cossus dans un parc naturel luxuriant. Sympa. Putain, non, c'est dans la... j'étais dans le bon sens. Merde. Hop, ok, on est bon. Hop. C'est bon? Ok. Voilà. Donc par principe, je... Tu nous racontes quoi sur San Mateo? Alors à San Mateo, le truc à la mode ces dernières années, c'est de faire disparaître des types. Politiciens, sympathisants, rebelles... Tous ceux qui ont vidéo, j'imagine. Tous ceux qui ne font pas partie du cartel. Point. Ça fait des centaines de personnes disparues sans laisser de traces. C'est clair que la Santa Blanca est derrière tout ça. Mais aucun corps n'a jamais été retrouvé. Découvrez ce que sont devenues les victimes. D'accord. Leurs familles ont besoin d'un début. Ah, c'est intéressant. Vidéo? Pas vidéo. Ah, j'aurais juré vidéo, pourtant. Ok, pourquoi pas. Bon, bah, de toute façon, c'est pas là qu'on va. Par contre, on va bien se parachuter ici, je pense. Qu'est-ce qu'il faut faire? Repérer la plantation Kilasia. On y va! Repérer la récolte de feuilles d'une ferme locale. Tendez une embuscade à ces enfoirés pour faire comprendre à la Madre Coca que les règles ont changé. C'est ce qui est dans la descente, là-bas, là? Ça serait con. Remarque, regardez ça, c'est joli. Hein. C'est réaliste et joli, je trouve. C'est con à dire, hein, mais... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok. Je regarde la plantation un petit peu à quoi ça ressemble. Je me dis que si je pouvais me poser sur le château d'eau... Ils m'ont vu, je crois. C'était pas prévu. J'attaque l'ennemi. Voilà, c'est ça que je cherche.
nettoyer. Les Caleros sont en train de préparer une grosse cargaison pour le cartel. C'est l'occasion d'éliminer les forces de la Santa Blanca tant qu'elles sont dans le coin. On se déploie. Propre. Là, on les a énervés. C'est pas un méchant. Ok. Ah putain, il y en avait un là-bas. Oh la vache! Allez, mauvais endroit là, hein. Mauvais endroit. J'aurais dû le prendre de plus de loin et balancer mon drone, mais... Je me suis dit que ça allait passer, que c'était grand, que ça allait être dispersé, vous savez. Que ça allait être 2-3 kills par 2-3 kills, puis qu'à la fin, ils allaient être regroupés dans une grande bâtisse. Ou dans un grand, dans une grande cour, ou n'importe quoi, dans un gros endroit. Mais finalement, non, c'est pas comme ça que ça va se faire. Intéressant. Non mais putain, moi aussi j'aimerais bien te voir. Oh putain, c'est pour ma gueule. Position de merde, hein, je veux pas dire, mais... Il est mort. Thermique. Pas s'emmerder. Ok. Ok. Comment ça se fait qu'ils ont tout repéré d'un seul coup? Ok, ça fait deux. Abattre. Pas de soucis, hein. On est au calme. Ok. Ah bah c'était tout. Bah finalement, c'était pas rigolo. Ok, bon bah hélico, hein, on se barre. Ces types-là risquent plus d'approvisionner le cartel. On prend un petit peu de mission puis on se barre avec l'hélico. Et on attend la suite. Et sortez les filles. Si vous êtes dedans, sortez. S'il y en avait pas, tant pis. Ok. Alors, prochaine mission. Ici. Respecté du nom de Chavez pousse les habitants à se révolter contre la Madre Coca. C'est bien ça. À tout prix qu'on assure sa survie. Je suis plus du genre à assurer la mort des autres que leur survie en vrai, hein. Clairement, c'est joli dans le coin. On nous fait 2-3 dérapages qu'on rigole. Ah, difficile de faire des dérapages avec un hélico peut-être. Je veux bien essayer, hein, cela dit. Wow. Crac. Ok. Un hélicoptère ici à droite. Alors, voyons voir. Ok, on est bon. À la
coopérative agricole. Voilà Chavez, sans doute qu'il s'apprête à faire son grand discours. À faire un gros doigt d'honneur au cartel, tu veux dire. Faut avouer que ce type a des couilles. Ouais, mais ça risque justement de partir en couilles si on n'arrive pas à le raisonner. Crac, c'est bon. Bonjour. Oh, la sale tête. Bande de démons. On s'attend à des ennuis, seigneur. Oh, les gars, vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis de votre côté et je vais vous empêcher de faire une grave erreur. Une erreur? Vous plaisantez. Depuis quand aider mes camarades est une erreur? Si vous faites ce discours, va y avoir des morts. C'est garanti. La Madre Coca va envoyer ses hommes et ça va finir dans un pain de sang. Vous voulez que je me voile la face? Que je me taise? Non! Si c'est ça, que t'évites les rassemblements! Vous ne valez pas mieux que la Madre Coca. Hors de mon chemin, gringo! Il faut que je parle à mes camarades. Bowman, ici Nomad. On est à la coopérative agricole. Chavez n'a pas écouté notre avertissement. Il va s'adresser aux Cocaleros. Il a l'appui des rebelles. Pour eux, c'est un révolutionnaire pure souche. C'est surtout un mort en sursis. Le cartel va pas le laisser faire. Faites ce qu'il faut pour le garder en vie. Ça, les rebelles comprendront qu'on n'est pas là en touriste. On s'en occupe. Protéger le délégué du syndicat. Bon. Avant l'arrivée du cartel, nous étions nos seuls maîtres. Hombres libres. Sembrabamos café. Nous cultivions la tête haute. Et maintenant, qu'est-ce que la Madre Coca a fait de nous? Qu'est-ce qu'elle a fait de nous? Des esclaves. Voilà ce qu'elle a fait de nous. Tout le monde à terre. À terre. Il y a un grillage, on est d'accord. T'as plus qu'un civil, tu con. J'aurais dû y penser. Et il est mort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis obligé de savoir d'où ils viennent avant de pouvoir faire quelque chose. Ah! Ah, mais mets-moi encore plus loin tant qu'à faire aussi! Pourquoi pas? Même pas une moto dans le coin pour revenir. Merde. Bon, on n'a plus qu'à poser des mines. Le problème, c'est de savoir véritablement si elles vont tout venir de la route, quoi. Parce que moi, ça me dérange pas de le faire, hein, mais... Quand on voit le nombre de points de vie qu'il perd en quelques secondes, c'est assez incroyable, quoi. Et surtout, je peux pas les étirer de loin, parce que, justement, il y a... Il y a cette... Ça. Je vais la mettre là. Donc passez pas dessus. Hop, j'en remets une deuxième. Allez, hop, voilà. Et j'en remets une troisième, genre ici. Crac. Ok. J'ai presque envie d'aller les chercher tout de suite. Pour en mettre plus encore. Mais bon. Je vais surtout faire le plein classique de munitions. Et me mettre en position du côté droit, je pense. Hop, allons-y. Yo. Voilà. Putain, je peux pas, faut que j'oublie de tout entendre. Ah. Madre Coca qui vous envoie. On s'attend à des ennuis, seigneur. Oh, les gars. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oh, les gars. Et je vais vous empêcher de faire une grave erreur. Une erreur? Vous plaisantez. Depuis quand aider mes camarades est une erreur? Si vous faites ce discours, va y avoir des morts. C'est garanti. Faut pas que j'amène ma clope ici. Sinon, je me fais avoir. Je vais pas être en vidéo. Que je me voile la face? Que je me taise? Si c'est ça votre solution? Vous ne valez pas mieux que la Madre Coca. Hors de mon chemin, gringo. Il faut que je parle à mes camarades. Bah va leur parler, vas-y, qu'on rigole. J'ai presque envie de te laisser mourir une deuxième fois, presque. Il a l'appui des rebelles.
révolutionnaire pure souche. Bonjour, joli chapeau. Le cartel va pas le laisser faire. Faites ce qu'il faut pour le garder. Comme ça, les rebelles comprendront qu'on n'est pas là en touriste. On s'en occupe. Ok, c'est parti. Fouh. On n'a plus qu'à attendre. Avant l'arrivée du cartel, nous étions nos seuls maîtres. Hombres libres. Sembrabamos café. Café, bah oui. Sembrabamos café. Et maintenant, qu'est-ce que la Madre Coca a fait de nous? Qu'est-ce qu'elle a fait de nous? À terre, à terre. Deuxième. Les pires méchants de l'histoire. Tout le monde à terre, à terre. De deux. Ok. Quoi? Merde, j'ai loupé. Oh merde, y'en a un sur le... Où es-tu? Putain. Puis le pire c'est que ce con il y va quoi. Je rentre. Ok. Il a pris des dégâts. Par ici, c'est bon. Hop. Il a pris des dégâts. Wouh, c'est bon. Ah bah c'était compliqué, dis donc. Bravo. Continuez à vous rencarder sur les activités de la Madre Coca. Dac. Oui, madame. Pas de soucis. C'est bon, vous pouvez le tuer, y'a plus de problème. Du coup, mes mines ont servi à rien de ce côté-là. Bon, je pensais que je pouvais les récupérer, apparemment non. Ok, je me barre. Calme-toi, je me barre. Voilà, pas de soucis. Je suis parti. La suite. On a des intels critiques qui sont arrivés un peu partout. On a celui-là qui est très très proche. Ben, on va se téléporter ici et on va aller le chercher. Je regarde, on est dans l'épisode, chers amis. Hop, on a 34 minutes. Et bien écoutez, on va aller le chercher dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.